Alors aujourd'hui, vidange d'un grand C4 Picasso, Inditis HDI. Donc pour la vidange, on va commencer par passer en dessous pour enlever la protection. Donc au niveau des vis de fixation, donc là c'est l'avant de la voiture, on a au total 6 vis. Une vis ici, une deuxième vis ici, et la troisième vis qui se trouve dans le trou en dessous. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Quatrième vis à l'opposé là-bas, du même ce côté. Cinquième et sixième vis. Après quoi il suffira de reculer, tout simplement reculer ce plastique. Voilà, donc pour faciliter l'écoulement d'huile quand on va le bouchon, il suffit de retirer la jauge qui est ici, créer un appel d'air et on va passer en dessous. Voilà, donc ici, carter d'huile, sous le carter d'huile, boulon de vidange. De 21 et donc on dessert. Et voilà, donc le bouchon de 21 est dévissé. On va laisser que l'huile couler sous le bac qui est en dessous. Donc on va pouvoir attaquer le démontage du filtre à huile qui se trouve derrière ici là. Donc on va être obligé de démonter cette durite. Donc pour le démontage de la durite, il va falloir démonter le boulon de 13 qui se trouve là. Ça va permettre de sortir ce boîtier en plastique et après donc il n'y aura plus qu'à déboîter à cet endroit là. Alors maintenant celui-ci est libéré, on peut désaccoupler. Donc là il y a une petite rotule, il faut tirer un peu dessus, ça va venir. Hop, on rentre dessus. On va pouvoir comme ça en tournant. Hop. Donc on peut sortir l'ensemble, sachant que l'autre côté, ça se déboîte facilement. Il y a juste également un petit câble là à déclipser. Et en ce qui concerne donc, le petit câble déclipsé qui est ici, au fond, là-bas, tout au fond. Et ce que je parlais de la rotule, c'est à cet endroit-là. Donc ça, il suffit de l'envoyer un petit peu sur... Elle est à cet endroit-là. Voilà, c'est ça, ici. Donc ça, il suffit de l'envoyer à droite. Voilà, donc maintenant, on voit bien le couvercle du filtre à huile qui apparaît. Donc on va mettre un petit peu de papier en dessous, sachant que l'huile va certainement couler, et donc douille de 27 pour dévisser le filtre à huile. On va essayer de filmer et faire le bout en même temps, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile. Ah, on dévisse la cloche, et douille 27. On sentira bien de toute façon que le filetage sera terminé. Bien protégé avec du papier, sachant que ça va couler partout. Hop, voilà, là c'est fini. Bon, moi j'ai prévu une petite boîte en plastique parce que je sais que ça va s'en mettre partout. Hop, et voilà. Bon, donc on va pouvoir commencer à remplacer le filtre dans son boîtier. Pour ça, relativement simple. On déboîte. Le vieux filtre. Voilà, il était relativement dur, il a fallu tirer pas mal dessus. On va enlever. Enlever le petit joint torique carré. Donc on vérifie que les nouveaux filtres et les anciens filtres sont bien les mêmes. Bon, moi je sais, j'ai déjà vérifié avant. Titre d'info, pour moi le nouveau filtre c'est celui-là. Donc gros nettoyage et on va tout remonter après. Voilà, on va pouvoir commencer à remonter l'ensemble. On prend le petit joint. Là c'est de l'huile neuve, j'enduis un peu partout le nouveau joint avec de l'huile neuve. Donc on le visse bien, ça gorge, il n'y a pas 36 possibilités de toute façon. Là c'est un joint qui est carré, donc on fera attention à ce qu'il ne tombe pas sur lui-même. Donc important de bien le mettre, bien le tenir. Et je vais vous faire une petite astuce après pour vérifier s'il a tourné ou pas. Voilà, donc là si jamais il a tourné, hop, avec un petit tournevis par en dessous, on fait faire le tour, ça permet de voir si jamais il a fait un demi-tour ou pas, il va se remettre correctement. Voilà, on enlève le tournevis, on remet le joint et là c'est bon.
Je vais mettre un petit peu d'huile également sur le pas de vis de la cloche. Ça aidera au remontage. Ok, ensuite un petit peu d'huile ici, c'est pour aider à faire passer le clip. Le petit joint torique ici également. Et après, donc il n'y a plus qu'à remplir. Là, c'est relativement facile. Hop, voilà, il est en place. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Attention, il y a un petit trou qui correspond à cet endroit-là. Je vais essayer de vous faire voir, mais sur le principe, c'est pareil. Il n'y a pas de risque particulier. Commencez à tourner, vous mettez d'abord dans le trou, et après, la cloche viendra se glisser dessus. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce petit embout là en bas du filtre à huile, si on regarde bien à l'intérieur du filtre à huile, je vais essayer de faire un peu bien, et il y a un petit trou ici. Et donc c'est là-dedans qu'il doit rentrer. De toute façon, s'il part à côté, on n'arrivera pas à fermer le filtre. Donc normalement, on ne peut pas trop se tromper. Donc voilà, là, je vais revisser la cloche à la main jusqu'à ce que le joint torique arrive juste au bord. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé de reprendre la clé. Mais par contre, c'est pareil, on y va tout doucement. Hop, ça avance. Allez, pour les puristes, serrage à 25 Nm. Autant vous dire, c'est pratiquement rien. Donc, voilà. Le remontage de cette durite là qu'on a démontée. Donc cet endroit là, allez, tout au fond là-bas, on le devine bien dans le trou. Ce que j'expliquais tout à l'heure, la petite rotule qui est là, il y a un petit trou là, il y a un petit trou derrière. Donc la petite rotule viendra ici. Et on va essayer de tout remboîter. Ah, donc au fond la durite, je l'ai déboîtée en deux parties, c'est plus simple quand même. Donc j'ai d'abord mis au bout là-bas. Ensuite j'ai remis la petite rotule qui est cachée derrière, et donc là il ne me reste plus qu'à remboîter cette pièce là et la remettre en place. Voilà, la durite est remise en place. Ne pas oublier de remettre le petit écrou de 10 à resserrer dans le fond là. Donc remplacement du joint cuivre de bouchon d'huile. Voilà moi les références que j'ai. Voilà, ne pas oublier de remettre donc le bouchon de vidange. Donc là, pour les pareils, coupe de serrage, 30 Nm, ça sert à rien de serrer comme une bête. Il ne me reste plus qu'à faire un bon nettoyage. Donc voilà, là on va pouvoir faire le remplissage d'huile. Donc on enlève le bouchon. Bon, je vais utiliser un entonnoir. Ça c'est l'huile que je vais mettre dedans. Donc sur le principe, sur ce type de moteur, un litre 6 HDI, 3,8 litres d'huile. Donc voilà, 3,8 litres d'huile mis dedans. Refermez le bouchon, refermez ça. Vérifiez en dessous que ça ne fuit pas. Je vais remettre la plaque en dessous et ensuite on fera tourner le moteur.